Thank you. Merci. Let us pray in the name of Jesus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Père au nom puissant de Jésus-Christ. We thank you. Père Nation, to give us these 3 days again. D'avoir donné les 3 journées. Thank you, Father. Merci, Père. For wonderful moments. Pour cet moment merveilleux. Holy Spirit, we salute you. Saint-Esprit, nous te saluons. For your presence. Pour ta présence. To be our teacher. D'être notre enseignant. To be our leader. D'être notre leader. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. This is your moment. Passe ton moment. To speak to us. De nous parler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. I welcome you once more again in the name of Jesus Christ. Merci beaucoup. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Tonight here is our last day of our 3 days with the Holy Spirit. Ce soir, c'est notre 3 journées avec le Saint-Esprit, c'est le dernier jour. I greet you all, whatever you are. Je vous salue tous partout où vous êtes. Can you let everybody to know that our service starts already? I see somebody there. Thank you. May the Lord bless you already. You are online. Thank you so much. Merci tous ceux qui sont connectés, qui sont live avec nous. Nous vous remercions et dis à celui qui est à côté, à tes côtés, de suivre le programme. Thank you so much. Merci beaucoup. Okay, may the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let us stop where we stopped yesterday. Let us begin where we stopped last night. Laissez-moi commencer là où on s'est arrêté hier. Let us move now. Just be ready with your Bible, with your book. Amen. Soyez prêts avec vos cahiers, vos bibles. Always say like this. Je dis souvent comme ça. Faith coming by hearing. La foi vient de ce qu'on attend. And hearing by the word of God. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. I like always to continue when I mention this verse that without understanding it can't be faith. Je veux recommencer là où j'avais dit la fois passée que sans la compréhension, il n'y a pas la foi. Amen. Amen. Without an understanding, can't be faith. Sans la compréhension, il n'y a pas la foi. Without an understanding of prayer, you cannot know how to pray. Sans la compréhension de la prière, tu ne peux pas connaître comment prier. Without an understanding of anything, you cannot do it properly. Sans la connaissance ou la compréhension de quelque chose, tu ne peux pas le faire bien. Because God's word. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu carry revelations. Apporte la révélation. Are we together? Yes, Pastor. When we hear about God's word, quand on parle de la parole de Dieu, let me check, go fast with you in the book of Ephesians chapter 1. Nous allons lire dans le livre d'Ephésiens chapitre 1. Let's see what Paul says here in Ephesians church. Voyons ce que Paul a dit aux gens des Ephésiens. Ephesians chapter 1. Ephésiens chapitre 1. Somebody shout glory. Glory. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Now you read for me in verse 17. Ephesians chapter 1, verse 17. Mm-hmm. Ephesians chapter 1, verse 17, I read. Amen. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. Thank you. Ephésiens chapitre 1, verset 17, j'ai la parole. En fait, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fait connaître. Thank you. Verse 18. Verset 18. Qui illumine les yeux de vos cœurs, de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache et à son appel? Quelle est la gloire, la glorieuse richesse de son héritage au milieu de saints? Thank you. English, verse 18. Verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you. The riches of his glorious inheritance in his holy people. Amen. Amen. This is Paul. He's talking to the believer peoples. Il parlait aux chrétiens. Those who were born again. Des gens qui étaient déjà nés de nouveau. He said to them like this. Il leur a dit comme ça. It's nice to you for you to be born again. C'est bien d'être né de nouveau. But you mustn't stop there. Mais vous n'allez pas vous arrêter là-bas.
Now, when Paul was praying now, quand Paul priait, he said like this in his prayer, il a dit dans sa prière, that the God of our Lord Jesus Christ, que le Dieu de Seigneur notre Jésus Christ, the Father of glory, le Père de la gloire, may give unto you the spirit of wisdom, vous donne un esprit de sagesse, and revelation in the knowledge of him, et de révélation afin que vous les faites connaître. Now, when we talk about knowledge here, quand nous parlons de la connaissance ici, we talk about absolute knowledge. Nous parlons de la connaissance absolue. Exact knowledge. La connaissance exacte. In Greek word we call epignosis. En grec nous appelons cela epignosis. That knowledge. Cette connaissance là. Will make you to live the life of Christ. Ça va vous faire de vivre la vie de Christ. Will make you to enjoy Christianity. Ça te fera de réjouir la vie chrétienne. Are we together? Yes, Pastor. When you are born again. Si tu es né de nouveau. The next step, deuxième étape, is to know God. Tu dois connaître Dieu. To know His words. Connaître sa parole. I told you like this. Je vous ai dit. It can't be felt without an understanding. Il n'y a pas la foi sans la compréhension. Now in verse 8 it says, the eyes of your understanding be enlightened. Verset 18, la Bible dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. That you may know what is the hope of His calling. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. And what is the riches of His glory, of His inheritance in the saints. Et quelle est la glorieuse richesse qui à son héritage au milieu des saints. Now in verse 18, when we talk about understanding, that understanding being enlightened. Au verset 18, quand nous parlons de la compréhension. Read for me in English, verse 18, sister. Only part A. Verse 18. Mm. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you. Thank you. Now the word lighten here. Le mot ici. Illuminé. It's Greek word photizo. C'est le mot grec que nous appelons photizo. Being flooded. Are we together? Yes. Being flooded with the light. Which means your eyes to open. To understand, to see clear. Cela veut dire vous devez être éclairé de savoir, de connaître. De... Are we together? Yes. What was the will of Paul to the church, the believers? Quelle était la volonté de Paul vis-à-vis de chrétiens d'Éphésiens? Our life is measured with the knowledge we have. Notre vie est mesurée par rapport à la connaissance qu'on a. We can stand before the situation according to the knowledge we have. Nous pouvons nous connaître, nous pouvons nous tenir par rapport à la connaissance qu'on a. We can celebrate according to the knowledge that we have. Nous pouvons nous tenir, nous pouvons opérer par rapport à la connaissance qu'on a. The knowledge of Jesus. La connaissance de Jésus. It brought him to win the cross. Ça lui a permis d'affronter la croix. That's why he can say in John chapter 16 verse 33. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le livre de Jean chapitre 16. He said to his disciples, "Cheer up, I overcome the world." Il a dit, j'ai vaincu le monde. Listen me carefully. Jesus overcame first the world through his knowledge. Jésus avait vécu le monde au travers de sa parole. His knowledge qualified him to overcome the cross. Sa connaissance lui qualifiait de vaincre la croix. Are we together? Yes, Pastor. Even before he can be resurrected. Avant qu'il soit ressuscité. Listen, you cannot confess without knowledge. Tu ne peux pas confesser sans la connaissance. You can only confess when there is knowledge. You can confess your knowledge, what you have. Tu peux seulement confesser que la connaissance que tu as. That's what the Bible says, a man can give only what he has. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme peut donner que ce qu'il a. You cannot give what you don't have. Tu peux pas donner ce que tu n'en as pas. You can only give what you have. Tu peux donner ce que tu as. That's why in Christianity, voilà pourquoi dans les we need to grow in knowledge. Nous devons croître dans la connaissance. When we are growing in knowledge, lorsque nous allons croître dans la connaissance, nous pouvons nous tenir before the situation, the challenge of this world. Devant les situations, les challenges de ce monde. Are we together? Yes, Pastor. Even in the school, même à l'école, you can only pass the class. Tu peux seulement passer through knowledge. Au travers la connaissance. If you don't have a knowledge, you cannot go to another dimension, another class. Si tu n'en as pas, tu vas pas passer la classe.
Are we together? Yes. That was the prayer of Paul. Ça, c'était la prière de Paul. I pray in the name of Jesus Christ. Je prie au nom de Jésus. May the Lord. Que le Seigneur. Open your eyes. Ouvre vos yeux. May the Lord. Que le Seigneur. Give you the spirit of wisdom. Te donne l'esprit de la sagesse. And revelation. Et des révélations. In the knowledge of Christ. La connaissance de Christ. The eyes of your understanding. Que les yeux de ta foi. Be enlightened. Soient vraiment éclairés. That you may know. Afin que tu puisses what is the hope of his calling. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. And the riches of his glory. Et la glorieuse gloire qui s'attache of his inheritance in the saints. À l'héritage des saints. Receive it in the name of Jesus. Reçois cela au nom de Jésus Christ. Are we together? Yes, Pastor. Are we together? Yes, Pastor. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you so much to be here to be connected again in our last day of our 3 days. Merci beaucoup d'être là, d'être connecté dans nos 3 journées avec Levitique 4, chapter 6, verse 6. Levitique. We are in the book of Leviticus, chapter 6, verse 6. Nous sommes dans le livre de Levitique, chapitre 6. Leviticus chapter 6, verse 6, I read. Amen. And as a penalty, they must bring to the priest, that is to the Lord, their guilt offering, a ram from the flock, one without defect and of the proper value. 7. Verse 7. In this way the priest make atonement for them before the Lord. Are you in the book of Leviticus? Verse 6. Book of Leviticus, chapter 6, from verse 5 to 6. Or whatever it was they swore falsely about, they must make restitution in full. Add a fifth of the value to it and give it all to the owner on the day they present their guilt offering. Okay, on. Verse 6. And as a penalty they must bring to the priest, that is, to the Lord, their guilt offering, a ram from the flock, one without defect and of proper value. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6, je lis la parole. L'effet brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur n'allumera le bois, disposera l'holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Yes, verse 6. L'effet brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Thank you. Telling us that the fire must always continue to burn. Ici, la Bible nous parle dans le livre de Lévitique que le feu doit être brûlé toujours. The fire here, I simply take it fire, a prayer. Le feu ici, nous le symbolisons ce soir, la vie de prière. All together. Yes, Pastor. It mustn't stop. Ça doit pas stopper. Here was in the house of God. Ici, c'était à la maison de l'Éternel. They said the fire must always keep, or the fire must always. You must keep it on. La Bible dit le feu devrait être brûlé chaque jour. Because if the fire is stopped. Pourquoi? Parce que si le feu s'éteint. Darkness will enter. Les ténèbres vont entrer. And the priest cannot work properly. Et le sacrificateur ne devrait pas faire leur travail comme il faut. Darkness. Les ténèbres. Is confusion. C'est la confusion. We are not the priests. Nous sommes maintenant les sacrificateurs. As we are the priests. Comme nous sommes les sacrificateurs. We need to keep always fire on. Nous devons toujours garder le feu brûlé. Which is prayer life. Qui est la vie de prière. Once prayer is not there. Quand la prière n'est pas là. Confusion will enter. La confusion va entrer. Are we together? Yes, Pastor. Now. Move again the book of Proverbs chapter 26. Allons maintenant dans le livre des Proverbes chapitre 26. Somebody shout glory. Glory.
Proverbe chapitre 26, verse 20. Proverbe chapitre 26, verse 20. Proverbs chapter 26, verse 20, I read. Amen. Without wood, a fire goes out. Without wood, fire goes out. Get on. Without a gossip, a quarrel dies out. Thank you, French. 26. Okay. Proverbe chapitre 26, verset 20, je lis la parole. Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle se calme. You hear that? The Bible says, where no wood is, faute de bois, there is a fire goes out. Le feu s'éteint. Are we together? Yes, Pastor. Where there's no wood, là où il n'y a pas le feu, the fire goes out. Le feu va s'éteindre. We need to keep the lifestyle of prayer in our lives. Nous devons garder la vie de la prière dans notre vie. Now, if God told us to continue in prayer in this month of May, si l'Éternel nous dit de continuer sur le sujet de la prière au mois de mai, myself I thank God. Moi-même je remercie Dieu. I say thank you, Holy Spirit. Je dis merci Saint-Esprit. This is your voice. Ça c'est ta voix. We have a lot to pray for. On a beaucoup à prier pour. Are we together? Yes. We have a lot to pray for. On a beaucoup de sujets pour prier. Hallelujah. I like you when these things will go, will finish. I like you to go out there another speed with grace. J'aimerais qu'en terminant ceci, vous allez vraiment sortir d'un autre niveau. Hallelujah. Amen. Now we began to talk yesterday about the enemies of prayer. Hier on a commencé, on a parlé sur les ennemis de la prière. Remember, number one, we talk about lack of or a true forgiveness. J'avais dit la fois passée que premier point, c'est un manque de pardon. The enemies of prayer. Les ennemis de la prière. Why many prayers are not answered by God? Pourquoi est-ce que d'autres personnes ne sont pas exaucées à Dieu? An enemy. Deuxième ennemi, we said lack of violence in prayer. On a dit que c'était manque de violence dans la prière. And number three, we said yesterday. Numéro 3 hier, on a dit. One of the enemies of prayer, number three. Parmi les ennemis de la prière. Lack of discipline in the time of prayer. C'est manque de discipline et obéissance au temps de la prière. Amen. Amen. Now we saw yesterday in the book of Matthew chapter 6 from verse 5 to 6. On a vu ça dans le livre de Matthieu chapitre 5. The Bible says when you are going to pray. La Bible dit quand vous allez prier. Jesus telling his disciples when you are going to pray. Jésus disait à ses disciples. He didn't say when you if you want to pray. Il n'avait pas dit que si vous voulez prier. Now he said when you are praying. Lorsque vous allez prier. Are we together? Yes. That means that prayer it must be our lifestyle. Qui veut dire que la prière doit être notre style de vie. I showed yesterday how the discipline of prayer Daniel was disciplined in his prayer life. Hier, je vous ai montré comment est-ce que Daniel était discipliné dans sa vie de prière. Are we together? Yes, Pastor. I showed again about David. On avait vu aussi sur la vie de David. The man David. L'homme David. Has a discipline in his prayer lifestyle. Il avait aussi la discipline dans sa vie de prière. We say again like this. On a dit encore, your prayer engine must be alive for you to manifest the kingdom of God. Le moteur de ta prière doit être alive, en vie. Ça doit être en marche pour que tu puisses se rouler dans les choses du royaume. Are we together? Yes, Pastor. Let me take you tonight here. Je vais maintenant vous amener ce soir. In fear of the Lord. Dans la crainte de Dieu. Number 4, fear of the Lord. Numéro 4, parmi les ennemis de la prière, c'est la fear of the Lord, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Now, let's see like this. In the book of Proverbs chapter 28 verse 9. Voyons dans le livre des Proverbes chapitre 28 verset 9. Book of Proverbs chapter 28 verse 9. Proverbes 28 verset 9. Proverbs chapter 28 verse 9 I read. Amen. If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. French. Proverbe chapitre 28, verset 9, je lis la parole. Amen.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte horrible. Thank you. Thank you. When we talk about fear of the Lord here, quand nous parlons de la crainte de Dieu ici, I want to tell you about is only the fear of God's word. Je vais vous parler seulement sur la crainte dans la parole de Dieu. Are we together? Yes, Pastor. Now, the Bible says, la Bible dit, he that turn away his ear, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Même sa prière sera une abomination. I don't want you this month of May your prayer to be abomination before God. Je veux pas que ta prière de ce mois de mai soit une abomination devant l'Éternel. You are praying, you are fasting. I don't want your prayer this year to be an abomination. Je veux pas que cette votre prière soit l'abomination devant l'Éternel. Are we together? Okay. When we talk about abomination, it's something God cannot answer. Si nous parlons de l'abomination, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas répondre. It's something you are passing your time for nothing. C'est quelque chose que vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Let me tell you something. Laissez-moi, je vais vous dire quelque chose. I saw somebody. J'ai vu quelqu'un. He spent 40 days in prayer and fasting in the mountain. Qui a vraiment fait 40 jours, 40 nuits sur la montagne. He told his wife. Il a dit à sa femme. I'm going to pray in the mountain for 40 days and 40 nights. Je vais partir en prière. Je pars dans la prière 40 jours, 40 nuits. And he asked her wife to buy some biscuits for him. Il a demandé à la femme d'acheter quelques biscuits. Because he's going to spend 40 days in the mountain without coming back home. Pourquoi? Parce qu'il devrait faire 40 jours là-bas sans pourtant revenir à la maison. Before the man can go to the mountain to pray. Avant que l'homme puisse aller sur la montagne de prier. The man was nice with good relationship with his wife and his children. L'homme était vraiment en bonne relation avec sa femme, avec ses enfants. Peace was at home, in home. Il avait la paix dans sa maison. The man took the bags, went to mountain. L'homme a pris le sac, il veut partir sur la montagne. He spent exactly 40 days of fasting and prayer. Il a vraiment fait 40 jours, 40 nuits dans la prière. The last day when he want to come back home, dernier jour avant de rentrer à la maison, the demon entered the man. Le démon lui a entré. The demon entered the man. Le démon lui avait possédé. When he came home, quand il est revenu à la maison, he become another person to the one who goes in the mountain. Il devient une autre personne par rapport à celui qui était parti. He begin to beat his wife every day and night. Il a commencé à tabasser sa femme chaque nuit. He begin to beat his children. Il a commencé à tabasser même les enfants. People are wondering, this one come from prayer and fasting. Les gens s'étonnent. Quelqu'un qui vient de la montagne en train de prier. Before he was not like this. Auparavant, man. Auparavant, il n'était pas comme ça. What changed in his life? Qu'est-ce qui a changé sa vie là-bas? It seems to be that when you come from prayer. Ça prouve que, ça montre que. Which means that you bring a new grace. Normalement, lorsque tu reviens au lieu de la prière, tu dois apporter une grâce. You bring peace because you come from prayer. Tu dois apporter la paix, pourquoi? Parce que tu viens. But the man didn't bring peace in his home. Mais l'homme n'avait pas amené la paix dans sa maison. Until they want to divorce with the wife. Jusqu'à ce qu'il voulait divorcer avec sa femme. By the mercy of God. Mais par la grâce de Dieu ou la miséricorde de Dieu. This man passed in deliverance. Cet homme était passé la délivrance. When he passed in deliverance, quand il a passé la délivrance, the demon be inside the man begin now to talk. Le démon avait commencé maintenant à parler. I am the one who possessed him in mountain. Je suis celui qui l'a possédé sur la montagne. Can you imagine? Imaginez-vous. The demon can possess somebody in the place of prayer. Le démon était il avait possédé quelqu'un dans le lieu. Listen, de la prière. Listen, I told people. Je dis aux gens. To hold microphone is not all. De porter le micro, c'est pas tout. To preach the gospel is not all. Prêcher la parole, c'est pas tout. To make people to fall down is not all. Faire tomber les gens, c'est pas tout. You can even prophesy is not all. Tu peux même prophétiser, mais c'est pas tout. The demon can be inside somebody's prophesying. Le démon peut habiter dans la vie de celui qui prophétise. The demon can be inside somebody, but the person see falling people down. Le démon peut être dans la vie de quelqu'un qui fait tomber les gens.
gens. Are we together? Yes, Pastor. Somebody can be possessed by demons. Quelqu'un peut être possédé par un démon. It can make people to fall down. Il peut aussi faire que les gens puissent tomber. Somebody can be possessed by evil spirits. Quelqu'un qui est possédé par les démons. It can also prophesy. Il peut aussi prophétiser. It can also take time in prayer and fasting. Il peut aussi prendre le temps de jeûner. But the demon is still there. Mais le démon reste toujours là. Why? Pourquoi? Prayer, you need to follow the instructions of prayer. Nous devons suivre les instructions de la prière. Dieu a dit. Jésus a dit. I think in Matthew chapter 7. Je crois dans Matthieu chapitre 7. He said many people. Il a dit beaucoup de gens. They shall seek, they shall heal people in my name. Ils vont guérir les gens à mon nom. They shall cast out a demon in my name. Ils chasseront les démons à mon nom. But in last day. Mais dans le dernier jour. I will say I didn't know them. Je leur dirai je ne les connais pas. This I wonder this verse it make me to wonder. Ce verset ici me fait peur. How come somebody cast out demons? Comment est-ce que quelqu'un peut chasser les démons? How come somebody heal the sick? Comment est-ce qu'il peut guérir le malade? But he comes the master, he said, I didn't know the person. Mais le maître lui dit que je t'ai jamais connu. The Holy Ghost told me like this. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. I always respect where the, my name is mentioned. Je respecte toujours là où mon nom est cité. The person can be possessed by evil. Quelqu'un peut être possédé par le. But when he mentioned my name. Et quand il parle, il invoque mon nom. I will manifest. Je vais manifester. Because I always obey my name. Pourquoi? Parce que j'obéis à mon nom. Are we together? Yes, Pastor. I always say this. Je dis souvent. The proof of serving God. La preuve de servir Dieu. I took it with a minister in excellent ministry. J'avais parlé au ministre dans le ministère de l'excellence. Excellent ministry. Le ministère de l'excellence. Is not based in prophecy. N'est pas basé sur les prophéties. Excellent ministry. Le ministère de l'excellence. Is not based in falling people down. N'est pas basé sur. But excellent ministry. Mais it lies when you are doing the will of the Father. Ça, c'est quand vous allez commencer à obéir à la volonté du Père. Prophecy is nice. Prophétiser c'est bien. Healing people is nice. Guérir les gens c'est bien. Casting out demons is nice. Chasser les démons c'est bien. But you as a man of God. Mais étant qu'un homme de Dieu. You as a son of God. Étant qu'enfant fils. Follow it under God and do it under God's instructions. Nous devons les faire sous l'instruction de Dieu. So that you can have an excellent ministry. Pour que vous pouvez avoir le ministère d'excellence. Are we together? Yes, Pastor. Are we together? Yes, Pastor. The enemies of prayer. Les ennemis de la when prière. When it's still in somebody's life. Ça, si ça se trouve dans la vie de quelqu'un. They can call you a man of prayer. On peut t'appeler que tu es un homme de they prière. They can call you a woman of prayer. On peut t'appeler une femme de prière. But when these things are in your life. Mais jusqu'à présent, tant que les choses là sont toujours dans you ta vie. You remain the same person. Tu seras le même. Tu resteras le même. Are we together? Yes. If that turn away is here from hearing the law. Even his prayer shall be abominations. Même sa prière sera abomination. Obey God's law. Sometimes you don't respect the person. Souvent vous ne respectez pas ces personnes. But you are learning to do fasting of 40 days and prayer. 40 days of prayer and fasting. Mais vous courez derrière le jeûne de 40 jours de prière. God is not stupid. Dieu n'est pas stupid. As long as we cannot see God. Tant qu'on ne voit pas Dieu. We can see his physical servants. Nous voyons ses serviteurs physiquement. Your obedience. Votre obéissance. To your servants. Dans ses serviteurs. Will qualify the answer of your prayer. Ça va vous qualifier à la réponse de vos prières. You are fighting your men of God. Tu combats ton homme de Dieu. You are fighting your brother and sister. Tu combats ton frère, ta sœur. But you are fasting for 21 days. Mais tu es en train de jeûner 21 jours. What is that? It's a waste of time. Ça c'est la perte du temps. Waste of time. C'est perdre le temps. Are we together? Yes, sir. For he that turn away his ear from hearing the law
Even his prayer shall be abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Put it in the book. Mettez ça dans vos cahiers. Prayer. La prière. We open the door. Ouvrir les. But you will maintain that door. Ça peut retenir ce. Maintenir. Ça peut maintenir ce. Yes. Prayer will open the doors, but your character will maintain it. La prière, votre prière peut ouvrir les portes, mais le caractère va maintenir cela. Your character will answer the prayer. Votre caractère répondra à la prière. Your character will before you. Votre caractère va toujours vous précéder avant. Your character goes before you. Ça va vous précéder avant. Your character reveals who you are. Votre caractère va vous révéler qui vous êtes. Alléluia. Praise the Lord. Listen. People are praying. Les gens sont en train de prier. People are praying, I'm telling you. Les gens sont en train de prier. I find people when they since he just took his bed, he's leaving the mountain. J'ai vu le gens. He asked you to tell you. I'm not making now three months now. Maintenant, je suis ici pendant 3 mois. I'll spend the whole year here in the mountain. Wait, just go on for 4 days. Their others now they are making spend some time here in the mountain. Before you can do that. Are you obeying the law of God? Vous obéissez à la loi de l'Éternel? God is not stupid. L'Éternel n'est pas stupide. I'm going to get God is stupid. God always obey His law, obey His voice, obey His word. L'Éternel chaque fois il obéit sa parole, il obéit sa voix. How come that you are not honoring the person God honors, but you want God to honor you? Comment est-ce que vous vous honorez pas la personne que Dieu a placée devant de vous? Vous voulez que l'Éternel. You don't want him. They want to teach you the word. You don't want him. L'homme qui t'a enseigné la parole ne t'il veut même pas. Your brother and sister, you don't want them. Tu veux pas avoir de faire ta sœur. But you are expecting to know God. Mais vous expectez de connaître Dieu. You are lying for yourself. You are lying yourself. Tu te mens toi-même. I'm telling you, my brother and sister. Je te dis la vérité, frère, ma sœur. Prayer is to follow God's law. La prière c'est suivre la loi de Dieu. Your character reveals who you are. Ton caractère va révéler qui tu es. Not prayer. Ce n'est pas la prière. You can make prayer when you are hypocrite. Tu peux faire la prière mais tu es une hypocrite. You can make prayer when you are living in bad life. Tu peux prier même si tu vis la vie là qui n'est pas bien. Your character. Votre caractère. Will show us who you are. Ça va nous montrer qui tu es. Are we together? Yes, Pastor. Are we together? Yes, Pastor. Put this in your book. They are not and your character will maintain it. Praise the Lord. Hallelujah. Your character will defend you. Your character will defend you. Votre caractère va vous défendre. When people talk bad against you. Quand les gens parlent mal contre vous. Are we together? Yes, Pastor. Fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. Fear of the Lord. La crainte de l'Éternel. Do what God tells you to do. Fais ce que l'Éternel te dit de faire. When God said, listen, Jesus, he cannot go to 40 days of prayer and fast without the leading of the Holy Spirit. Il est tout fait pour dire qu'on est rejeté. Il est parti sous la lidance du Saint-Esprit. Il était son enseignant. He was his master. Il était son maître. Are we together? He was his master. Il était son maître.
Spend time in prayer for God to answer your prayer. Prends ton temps dans la prière pour que l'Éternel. This I'm sharing with you tonight. Ce que je partage avec vous ce soir. It will help you. Ça va vous aider. For your prayer. Pour votre. In this month of May. Pour votre vie de prière dans ce mois de mai. Once you lost the direction. Si vous perdez la direction. You meet the. Once you lost your direction. Lorsque vous allez perdre votre direction. When God said go this way. Quand le Seigneur te dit passe de ce côté. You lost your direction. Toi tu te perds. You. Tu vas te. No. Young prophet. Jeune prophète. God told him that this. L'Éternel lui a dit. The way you go, the way you go is not the way you're gonna come back again. Le chemin que tu es parti, tu vas pas revenir le même chemin. And when you're going to be there. Et quand tu seras là-bas. Don't eat. Ne mange pas. Don't drink. Ne bois pas quelque chose. But when the man go. Mais quand l'homme est parti. When he went before. Quand il est parti, followed God's instructions. Il avait suivi les instructions de Dieu. God was angry person with the man. L'Éternel était vraiment avec l'homme. Why? Pour ça, pourquoi? God is not a respecter of a person. Pourquoi? Parce que Dieu ne respecte pas les personnes. He respect not a color. Il ne fait pas exception de. He respect not the language. Il ne fait pas exception de la langue. He respect not the size. Il ne respecte pas la taille. God respect his words. L'Éternel respecte sa parole. Respect his instructions. Il respecte ses instructions. When the young prophet goes. Quand le jeune prophète est parti. God. L'Éternel respect his words. Il avait respecté sa parole. Follow me carefully. Suivez-moi bien. When you are living in God's instructions. Si vous vivez dans le de Dieu, God will protect you. L'Éternel vous protège. When you are doing what God tells you to do, si vous faites ce que l'Éternel vous a there is faire, a protection. Il y a la protection. There is a miracle. Il y a le miracle. There is domination. Il y a la domination. There is an answer in your prayer. Il y a la réponse à vos prières. It's what was happening in the young prophet. C'est ce qui s'est passé dans la vie de jeune prophète. The man go. L'homme est parti. When he meets the old prophets. Quand il a what God talks is a revelation. Ce que l'Éternel avait dit, c'était la révélation. What God talks is a revelation. Ce que Dieu avait dit, c'était la révélation. What men talk is a revelation. Ce que le vieil prophète l'avait dit. How do you go? Alléluia. When the young man obeyed the voice of an old prophet, quand l'homme, le jeune prophète a obéi à la voix de Dieu, God leave him now alone. L'Éternel lui a laissé lui-même. His prayer became an abomination to God. Sa prière était devenue maintenant une abomination. Mm. Why? Pourquoi? He forsake the law of God. Il a rejeté la loi de l'Éternel. When you forsake the law of God, si tu rejettes the lion will devour you. Destroy you. When you forsake the action, the lion will destroy your life. Are we together? Yes, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When the man found an old prophet. Quand le jeune prophète a raconté le vieux prophète, it changed his mind. Il a changé ses pensées. Today, many people defend the old prophets. Beaucoup de gens ont raconté les vieux prophètes. That's why today, voilà pourquoi, you can know them, you see them. Vous pouvez les voir, vous pouvez les connaître. But in the spirit, dans l'esprit, the lion already destroyed them. Le lion l'a déjà dévoré. Are we together? Yes, sir. Once you forsake God's law. Lorsque vous rejetez la loi de l'Éternel, what's he that man? Qu'est-ce qu'il a fait que cet homme puisse mourir? A lion. C'était le lion. The lion killed him. Le lion l'a tué. Destroy him. Il l'a détruit.
If I read these things, sometimes it makes me to cry in my heart. Quand je lis ces choses, ça me fait mal dans mon cœur, ça me fait pleurer. How many people? How many servants of God? Combien de serviteurs de Dieu? How many children and sons of God today? Combien de fils et de filles de Dieu aujourd'hui? They pretend to be in God's way. Ils prétendent être dans la parole de but Dieu. But they are far from God's way. Mais ils sont loin de la parole de Dieu. They are far from God. Ils sont loin de la parole de Dieu. When you are far from God, si vous êtes loin de la parole de Dieu, when you don't fear God's words, si vous n'avez pas la crainte de la parole de Dieu, your prayer is not 40 days. L'homme avait vraiment fait 40 jours. In mountain. Que nous appelons Ozungene. C'est ma femme qui est venue Ozungene. C'est la première fois que je m'appelle Ozungene. Votre cœur va vous révéler. The man of the inside is revealed to your character. L'homme intérieur va révéler votre caractère. When you are praying, lorsque vous allez prier, what is what qu'est-ce qui vous cause de plus pour vous là pour faire des babos. When I was fighting Anna, quand Penina combattait Anna, Anna always was in the temple praying to God. Anna, elle était toujours dans le temple devant l'Éternel. The day, un jour, Anna received Samuel. Le jour où Anna avait reçu Samuel, Anna didn't say, "I'm going to show them." Anna n'avait pas dit que je veux le montrer, non. Look at this. Anna didn't say, "I'm going to show them." Anna n'avait pas dit que je vais les montrer, je vais les prouver. But that woman Penina, mais cette femme Penina, was fighting Anna every day. Elle combattait Anna chaque jour. Because Anna could not conceive. Pourquoi? Parce que Anna ne concevait pas. If maybe you today, si c'était nous aujourd'hui, you are going to take that son, peut-être que tu allais prendre ce temps, that blessing, cette bénédiction, you show yourself. Tu te fais voir toi-même. But the Bible says, mais la Bible dit, when Samuel came, quand Samuel est venu, Anna took Samuel. Anna prit Samuel. He took Samuel in the house of God. Elle est partie le laisser le déposer dans la maison de l'Éternel. He said, "Father, thank you." Elle a dit, Père, merci. I made a vow. J'avais fait un vœu. This is an accomplishment of my vow. Ça, c'est l'accomplissement de mon vœu. You sometimes you are looking at car. Peut-être que tu es en train de chercher la voiture. To fight another people. Pour combattre d'autres personnes. With that car, you are looking at prayer. Avec la voiture que tu cherches. You are looking at marriage. Tu cherches le mariage. Sometimes to fight other with your marriage. Peut-être pour combattre les autres avec le mariage. But mais your inner man. Votre homme intérieur. Sometimes a person cannot understand, but God knows your intention of your prayer. Même si tu fais semblant devant les gens de ce monde, mais Dieu connaît l'intention. He said before you can pray. Il a dit avant que tu puisses. I know your mind. Je connais tes pensées. I know what I'm going to say. Je sais ce que tu vas me dire. What is in your heart when you are praying? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur quand tu pries? Sometimes you are asking God, give me that grace so that people can see that grace. Peut-être que tu es en train de demander la grâce à la prière pour faire montrer. Non. Listen carefully. I always say this. Anytime when God begins to bless you, chaque fois que l'Éternel commence à te bénir, I repeat again. Je le répète. Anytime when God begins to bless you or answer your prayer, chaque fois que l'Éternel commence à te bénir ou à exaucer ta prière, humble yourself before God. Sois humble devant l'Éternel. The more He bless you, plus il te bénit, the more you go down. Plus tu te the more He's blessing you, the more you humble yourself before God. Plus tu te fais humble devant lui. Are we together? Yes, Pastor. Are we together? Don't let what you have to mislead you. Ne laisse pas que ce que tu as fait, que cela puisse vraiment te faire
That's why since you received that blessing. Voilà pourquoi depuis que tu as reçu cette bénédiction. You are looking another one is not coming. Tu es en train de chercher d'autres, ça ne vient pas. Why? Pourquoi? The intention you have in your heart. L'intention de ton cœur que tu as. You don't have the fear of the Lord. Tu n'as pas la crainte de Dieu. You don't have the fear of His words. Tu n'as pas la crainte de la parole. You don't have the fear of His servants. Tu n'as pas la crainte de ses serviteurs. You don't have the fear of His house. Tu n'as pas la crainte de sa maison. Are we together? Yes, that's why you can see somebody is looking is barren, is looking sometimes at children. Voilà pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui est servi, qui cherche les enfants. The day will receive a children. Le jour où il va recevoir cet enfant. He ran away from the church. Il va même fuir dans l'église. But when he was praying, mais quand il priait, looking for that kid, quand il cherchait cet enfant-là, he was there always before God. Il était là devant Dieu. He was always praying before God. Il était là devant Dieu. But since God blessed him, mais lorsqu'il a reçu cette bénédiction, since God blessed out the son or a children, depuis que le Seigneur lui a béni avec un fils, he disappeared. Il est vraiment, il est disparu. He was looking a job. Il cherchait le travail. He was there before God. Il était là devant Dieu. Once God offered him that job, quand l'Éternel a he disappeared before God. The next one is becoming a problem. The next blessing is not a problem. Notre bénédiction, ça devient maintenant problème. The next one you are praying now, it becomes a problem. Ça devient maintenant problème. He said, don't say my strength ne dis pas who que, give me this ahead. Ne dis pas que c'est ma force qui m'a fait acquérir cela. Now let's move there, please. Let's move there. Allons là-bas rapidement. Let's move there. I think it's book of Deuteronomy. Mm-hmm. Deuteronomy, I think we're gonna check in verse. I think book of Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Mm-hmm. Verse 17 to 18. Je crois dans le livre de Deuteronomy chapitre 8, verset 17 à 18. Are we there? Yes. But Deuteronomy chapter 8, 17 to 18. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, I read. Amen. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Thank you. But, 17? Verse 18. But 18. Verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So confirms his covenant, which he swore to your ancestors as it is today. Thank you, French. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquéri ces richesses. Anna didn't say that. Anna n'avait pas dit cela. He knew that Samuel came from God. Elle savait que Samuel venait de Dieu. It was not his knowledge. C'était pas sa connaissance. It was not his power. C'était pas sa puissance. Carry on. Verset 18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force pour acquérir ses richesses afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui à son alliance. Thank you. Qu'il a joué à tes pères. This must be our mindset. Ça doit être nos pensées. And thou say in thy heart, my power and my mass of my hands have gotten me this wealth. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma vigueur m'ont donné ces richesses. I see many people. Je vois beaucoup de gens with riches. Avec la richesse. They are very humble. Ils sont vraiment très simples. If we didn't tell you, si on te dit pas, you cannot know that what you have. Tu ne sauras pas qu'il a beaucoup d'argent. Very humble. Il est if you find somebody like this, si vous voyez, I have, that's why we call it, it come to pass. Si tu vas quelqu'un, j'ai ceci, ça va passer. We call it come to pass. Ça, on appelle ça va passer. What will remain is the word. Ce qui va rester, c'est la parole. What you receive from the word will remain. C'est que nous venons dans la parole. It comes to pass cannot remain because it comes only to pass. Les choses là va toujours passer. Pourquoi? Parce que ça va passer. But thou shalt remember, Lord, your God. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu.
For it is that give thee power to get wealth. Car c'est celui qui t'a donné la force pour acquérir. That you establish covenants which are swear unto thy father as it is this day. Pour confirmer son alliance qu'il a juré à ton père. Are we together? Yes, Pastor. How shall we remember God? The problem now, how shall we remember God? Comment est-ce que vous pouvez se souvenir à Dieu? How shall we remember God? Comment? Remember his house. Souvenez-vous de sa maison. Follow his instructions. Suivez les instructions. When he said pray, you pray. Quand il vous dit de prier, priez. When you say give, you give. Quand il vous dit de donner, donnez. Donc, when you are in partnership, fulfill your partnership. Si vous êtes dans le partenariat, accomplissez votre partenariat. When it comes in the time of tithe, pay your tithe. Si ça devient le temps de payer votre dîme, payez la dîme. When it comes out a time of helping others, you help them. Si le moment d'aider les autres, aide les autres. That is how to remember God. Ça c'est comment se souvenir à Dieu. When you remember his servants. Si vous vous souvenez de son serviteur. You remember God. Vous vous souvenez de l'Éternel. When you remember his house. Si vous vous souvenez de sa maison. You remember your God. Vous vous souvenez. But when you receive, you go far from God. Si vous recevez et vous fuyez loin de sa face, your prayer become abomination. Votre prière deviendra abomination. Your prayer become abomination. Ça deviendra abomination. Are we together? Your prayer become an abomination. Votre prière deviendra l'abomination. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord be with you. Que le Seigneur soit avec vous. May the Lord lead you again. Que le Seigneur vous guide encore. Open your eyes to understand his ways. Ouvre vos yeux spirituels pour comprendre sa parole. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Whatever you are, begin now to pray for God's ways. Partout vous êtes, commence maintenant à prier pour la parole. Stand up, whatever you are, I like you to pray now. Mets-toi debout, commence. Stand up and pray. Stand up and pray. Commence à prier. Stand up and pray. Pray. Commence à prier, commence à prier pour ta vie chrétienne, commence à prier les mois de mai sur les mois de la prière et ratoche que les remercie le Seigneur qui nous a parlé sur les ennemis de la prière attacho que yalando oranda manterebo satara montariaba. Demande à l'Éternel de te donner un cœur humble devant sa face. La rabache que les montées, la Bible dit fait grâce aux humbles et résiste aux orgueillés. Marato sonderia mantara barasata rete que les restes que les mantorebo shinderebo sandabara barashinda et que yabaranda sandara baro sete rato satamantara baronde. Il est rebo shinda la mandorobo, il a barasanda la barachika la monta, il rete que le setera tout samanta la baron de rebele shinde, rasa ta la rachika la brocha la bachanda la bahaya, le brocorima shaka tu broski la bahi, li barabashanda la bahaya, 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 mambre kete kete. La broca libo chete, ma broca di bashita ni kabroca ni maskante, mi kache ke broski la baros kante, ma la baba shende le boskade, mi kaba shanda, ma broko to zete, le breke te kete. Pray for this word, take place in your life. You shall remember God, you shall function in God's principle. Ma la bashanda la bahaya, le broko to zotoye, mi broko dogo dia, le breke te kete. Mazaki broski la badescante, il a brocali bochete, mambrocali cabracadiscante, le brequete kete, mi brocodo chetete, mambrequete kete, le cobochete brondacita, mambrequete kete, le brocodo scadi, le brocotocoto, mi cabachanda la bahaya, mambrequete kete, le brocoto zote, mambrequete kete, le brocodo scadi, le prequete kete,
In the name of Jesus Christ. We are about to pray. Nous allons prier. Every demon I sign against your life in this month of May. Qui se tient devant ta vie dans ce mois de mai. Every demon I sign against you. Toutes les démons qui se tiennent devant toi. To steal your blessing in this month of May. De voler la bénédiction dans the ce mois de mai. The way you stand up and like you to put your hands together when you are praying, command that demon to go. Cut them out, name of Jesus Christ. Pray, name of Jesus Christ. Commence à prier, commence à battre le Malaba sheke broski la badi. Leke bo shanda la bati boshe. Mimbro koro boshete. Le prekete kete. Makabo shaka brekete. Landolo boshita brokondi kanskante. Le prekete kete. Le brokoro boshete. Mimbro kodoskadi. La koboshete. Mambre kete kete. Le prekete kete. Le prokoto koto. Mikabo shete. Lembreketekete, lakobo shekredi, malekebo shata, malekebonde, lekrobo shika brekeskande, malakala shalaka brekete, mambroko dogodi, le rakakaka ekete, malebo shete, in the name of Jesus. Say after me, my father, my father, my father, my father. Every conference of darkness that is against my destiny, that is against my destiny. I command you to die in the name of Jesus. Pray, hallelujah. Command you to die. Maleke boshete, le prekete. Every demonic conference, command them to die. I like you to pray properly whatever you are. We are praying for the month of May now. Pray in the name of Jesus Christ. Ikabo shete, le prokoto koto. Maleka brondoski la kabrekeska di. Le pekete zi, mambrokodoska di. La kabaruskante, mambrokodoko di. Le prekete, mambrokodoko di. Le prekete kete, mikabroski la baruskante. Mikabashanda, le prekete kete. Le prekete kete, mambre kete kete, mambre kete kete, la brokoroboskante, mikaboshete, la kroboskante, le kete kete, ikaboshete ke, mambre kete kete, la kabosha la mandele boskadi, ikabashanda, mandele keskadi, le prekete ke, mikabroski la badeskante, la kaboshete, ikaboshete ke, le brekadi, rakabashete ke, ikaboshende, malele bosha. In the name of Jesus. Say after me, my father, my father. My father, my father. Any accident stand against me. Any accident against me. In this month of May. In this month of May. You demon of accidents. You demon of accidents. You are a liar. You are a liar. Whatever you are. Whatever you are. I command you. Die. I shall live. I'll never make accidents. I command you to die. Now in the name of Jesus Christ, in this month of May, accident is far from you. You cannot make accidents. Command that spirit of accident to die. In the name of Jesus Christ, let me hear that you are praying. If you are following me, let me hear that you are praying. If you are following us, let us know that you are praying. Le preketo zotredi, mambre kekete, le prekete kete, mikrokoboshete, mambre kodi gaskanta, mambre kete kete, la prokodoskadi, le greke broska, rakabaroskante, mambre kodosita, le prekete kete, mambre kodoskadi, le prekete kete,
In the name of Jesus. My Father, my Father. My Father, my Father. Answer me. Answer me. By fire. By fire. My Father, my Father. My Father, my every Father. Power. Every power. Assigned in this month of May. Assigned in this month of to May. Destroy my business. To destroy my business. To destroy my job. To destroy my job. To destroy my body. To destroy my body. I command you. I command die. 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 In the name of Jesus, command him to die now. You are praying. Ekabo shata, mambreketeze, le prokododia, le frekendasita, mango soto kobreketekezi, langroskadi, langroko broskadi, i prokotoze, marokobo shetete, membrokodiskanti, le preketekete, le preketekete, mambreketekete, le preketekete, le brokadi gaskanta, le preketekete, rakakatekete, le krokoskadi, sevio. Business, save your job, save your business, save your job in the name of Jesus Christ. Say after me, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father. My Father, every demonic spirit behind coronavirus, behind lockdown, to finish my business, to finish my finance, to finish my job, I command you, die. You don't have a place in my life, in my business, in my job. I cut you off. I cut you off. Command them to die in the name of Jesus Christ. Command them to die. Ikobo sheteke, mambro kodogode, le preketeke, mazuka basheteke, maleka bronda prakadiga skante, le prokotozo, membreketeke, la prokotozo, i preketekete, mambro kotokoto, mambre ketekete, le prosoproli, mambre ketekete, ipo shete, mambro Kodoskadi, l'angre ketekete, mambre ketekete, le proboskadi, le preketeke, mikoboshete, lembre ketezi, la prokotozo, mikabande prakadi gaskanti, le preketekete, mambre ketekete, le preketekete, in the name of Jesus Christ. My Father, my Father, anything was blocking my prayer, anything was blocking my prayer answer. Anything was blocking my prayer. I command you to die. I command you to live die. My life. Live my life. You enemies of prayer. You enemies of prayer. I command you to die. I command you to die. Live my life. Live my life. I separate myself with you. I separate myself. Whatever you are. Whatever you with are. Your strategy. With your strategy. To block my prayer. To block my I prayer. I command you. I command come you. Out. Come out. Come out. Come out. Come out. Command them down, command them out, son. Command them out, the name of Jesus Christ. Command them out. Command them out. Le kroboshetete, mambrokodogodi, le preketekete, mimbrokodoskadi, le prekete, zikala prokatezia, mambreketakazi, le preketekete, ye prokotozia, mambreketakazia, le mbrekeskadi, mambrokodogodi, le preketekete, mambreketekete, in the name listen, say after my Father, my Father. My Father, my this Father. Month of May. This month of May is my month of testimony. Is my month of testimony. This month of May. This month of is May. My month of opening. It's my month of opening. This month of May. This month of May is my month of victory. Is my month of victory. This month of May. This month of is my month of promotion. Is my month of is my month of restoration. Is my month of my finance will be restored. My finance will be my restored. My job will be restored. My job will be restored. My business will be restored. My business will my be restored. Family will be restored. My family will in be restored. In the name of Jesus. Begin to walk now in your home. Begin to confess it now. Confess it. Walk it now. Walk in your house. Begin to confess it now. Confess your victory in this month of May. Confess promotion this month of May. Confess miracle money in this month of May. Open your business. Open your job. Open your wealth.
Open your hands. Begin now to pray. Even though you are sick, command healing now in your body. Declare healing now. Even though you could not walk, stand up now, begin to walk. Even though you could not walk, stand up, begin to walk now. You are putting your money together. Begin to celebrate now your victory. Celebrate now your testimony. In this month of May, you are going to be appointed. You shall never be disappointed. You shall be appointed everywhere. Your desire shall be accomplished. In the name of Jesus Christ, put your hands together when you are praying there. Let me hear that you are praying. In the name of Jesus Christ. Take now your blood of Jesus Christ. Prends maintenant le sang de Jésus avec toi. I give you 1 minute. Je te donne 1 minute. Listen, you will take it. Vous allez prendre ça. Firstly, you are going to minister it under your feet. Vous allez mettre ça sur vos pieds. Before sickness. Before spirit of death, devant l'esprit de mort, before failure, devant l'échec, before accident, devant l'accident, before disappointment, devant la déception, through the power of this blood of Jesus, you shall be invisible. Tu seras invisible devant le sang. You shall be invisible. Tu seras invisible devant le sang. Before coronavirus. Devant le virus que you shall be invisible. Tu seras invisible. Before every demonic conference. Devant chaque conférence. You shall be invisible. Tu seras you shall go out with power. Tu vas sortir avec la puissance. You shall come out, you shall come back with power. Tu vas revenir avec in the name of Jesus Christ, nom de Jésus Christ, everywhere you shall put your feet partout vous allez shall be given unto you. Ça va, Dieu va vous les donner. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus, put it now. Mettez ça. Put it under your feet. Mettez ça. Thank you. Put it now in your hands. Mettez ça dans vos mains. Put in your hands. Put in your two hands. Wash with your hand. Wash with your hands. Lave tes mains. When you are washing, that you are confessing miracle in your life. Quand tu anything you shall touch shall prosper. Tout ce que tu toucheras, ça va prospérer. It shall be miracle. Il y aura le miracle. In whatever you are going to touch. Par tout ce que tu vas toucher. It shall be multiplication. Ça sera la multiplication. In anything you are going to touch. Par tout ce que tu vas toucher. Take it now here. Prends cela. Minister it. Vaporise ça devant ta tête. 1, 2, 3. This is the power of resurrection entering in your life. Ça c'est la puissance de la résurrection qui est entrée dans that is the connection of the answer of your prayer. Ça c'est la connexion de la réponse de vos prières. The Lord tells me to tell you like this. Le Seigneur me dit de vous dire. You shall be always ahead, the head. Tu seras toujours la tête. Not the tail. Et non la queue. The tail is no longer your portion. La quête, ce n'est pas votre everywhere you shall appear. Partout vous allez vous présenter. You shall be appointed. On va vous choisir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That things you are waiting for many years. La chose que tu attendais beaucoup. The Lord is telling me. L'Éternel me dit. Because the blood of Jesus Christ came in your head. Le sang de Jésus qui est maintenant sur ta tête. He's telling me now to tell you. Il me dit de te dire. This is the Lord. That anointing is coming upon your head now. Comme vous avez vaporisé cela dans votre tête. The way is moving in your head. Comme ça se trouve dans votre tête. The Lord is telling me now. Le Seigneur me dit. You are not receiving what you are looking now. Vous avez reçu ce que vous cherchez. That miracle is yours now. Le miracle est là et pour toi. That thing you was waiting, you receive it now. La chose que vous attendez. Receive it in the name of Jesus Christ. Recevez cela au nom de Jésus Christ. Thank you. Merci. It shall be testimony. Ça sera le témoignage. In Jesus' mighty name. Au nom de Celebrate Jesus Christ. Celebrate Jesus. 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 Celebrate
Celebrate Jesus. Celebrate Him for the protection of your life. Celebrate Him now. You are not a victim. You are a winner. Celebrate Him now. You are not the tie. You are the head. You cannot be disappointed. You are going to be always appointed. Put your hands and celebrate the Master in the name of Jesus Christ. Thank you. Merci. Thank you, Holy Spirit, Lord. Merci, Saint-Esprit. We thank God for our 3 days. Nous remercions le Seigneur pour les 3 jours. We thank God for the first day. Nous remercions Dieu pour premier jour. Up to today, our last day of our 3 days. Jusqu'à présent, ce soir, c'était notre dernier jour avec le Saint-Esprit. I feel. Je sens. From Friday. Pour le vendredi. We give you program on Thursday. Nous allons vous donner le programme le jeudi. How we are going to move from Friday? Qu'est-ce qu'on va faire le vendredi? On Thursday service. Le service est jeudi. We'll give you how we're gonna move from Friday up. On va vous donner le programme comment est-ce que nous allons faire le vendredi. I told you. Je vous ai dit. We have the blood of Jesus Christ here. The blood of Jesus here. Jésus ici. This is the blood of power. Ça c'est le sang de la puissance. It speaks a better message. Ça parle mieux plus que. I wish everyone to have it. Je souhaite tout le monde d'en avoir. Are we together? Yes, Pastor. You need to be wise. Vous devez être prudent. When you enter the shop. Si vous entrez dans le shop. When they are spraying your hands. On est en train de. He must tell you something about this. Ça peut vous dire quelque chose. You cannot buy. Vous pouvez pas. When you didn't sanitize your hands. Tu ne peux pas entrer dans le shop si tu n'es pas neutralisé tes mains. This is the blood of Jesus Christ. Ça c'est le sang de Jésus. Don't miss it at home. In the time that we are living now, you need to have it to minister it every day for your protections. Ça tu vas l'utiliser pour votre protection. In and out, use it. If you don't have it. You need to call us. Si vous n'en avez pas, vous devez l'avoir. And I told you about the handkerchief yesterday, last night. Je vous ai parlé pour le mouchoir hier. This an anointing handkerchief. Ça c'est le mouchoir de l'onction. You need to have it. Vous devez l'avoir. You need it in this such time. You need it. Vous avez besoin. Vous en avez besoin. You need it. Vous en avez besoin. It will help you a lot. Ça va vous aider beaucoup. Be a wise person. Soyez prudent, soyez be spirit woman, spirit man to understand what I'm talking soyez about. Soyez un homme spirituel, une femme de prière, de spirituel pour comprendre ce que je veux dire. This sticker, you need it in your door. Le sticker ici, vous en avez besoin pour votre porte de la maison. Image always carries something. Chaque image porte quelque chose. You need it. Vous en avez besoin. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. 3 days finished today. For your testimony. Le 3 jours à notre 3 jours. For your prayer request. Si vous avez le témoignage, your tithe, vous avez la dîme, your offering, your offerings. Don't have a mind of lockdown. N'ayez pas la pensée de confinement. You shall remember God. La Bible dit, vous allez vous souvenir à l'Éternel. Not because we have a lockdown, you say, I don't remember. No, you shall remember God if in lockdown. Ne dites pas que nous sommes confinés à la maison, je ne veux pas. I don't even want to have the mindset of lockdown. N'ayez pas les pensées de la confinement. We are praying for that, and we pray for that always. Nous prions pour cela, et on a toujours prié pour ça. And God. Et l'Éternel. It's going to help us. These things are going to pass. Il va nous aider, ces choses ici va passer. And I believe. Moi, je crois. God already make us to win this situation. This coronavirus. Nous a déjà fait de vaincre de cette maladie. Through the blood of Jesus. Au travers le sang de Jésus. We already destroyed coronavirus. Vous avez déjà détruit le coronavirus. We already paralyzed coronavirus. Vous avez déjà paralysé cela. Through the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ, au travers le nom de Jésus. Amen. Amen. Pay your tithes. Payez votre dîme, your offering, votre offrande, your seeds, votre semence. Thank you. Merci. This, you can call us this number. Si vous voulez, vous pouvez nous appeler. For any question regarding today's message, les questions concernant les messages, you can WhatsApp us or SMS us. Vous pouvez nous or call us. Vous appeler à WhatsApp, SMS. In 072 072 25
If you like to have a blood of Jesus, si vous en avez pas le sang de Jésus, or handkerchief, si vous avez besoin de or sticker, you call us in that same number. Appelle-nous dans ce numéro ici. Don't forget to check out our YouTube. N'oublie pas de regarder. Our YouTube is already on. Notre YouTube. To enter, just put Apostle M. Mayulu. Si vous voulez, Daniel Mayulu. Si vous voulez entrer dans notre YouTube. Apostle Daniel Mayulu. Apostle Daniel Mayulu. And we have also our Instagram. On a aussi Instagram. That you can also enter in Daniel Mayulu. Si vous voulez naviguer, vous pouvez seulement taper Daniel Mayulu. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Stay. Listen, for those who are not yet born again, pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, you cannot manifest what we are sharing without if you didn't yet born again. Tu ne peux pas manifester les choses qu'on a parlé sans pourtant que tu sois né de nouveau. The most important things in life is to be born again. La chose la plus importante à la vie, c'est être né de nouveau. Let me lead you in Bible way. Laissez-moi vous l'idée bibliquement parlant. Say after me from the Bible. Après moi, répète après moi. Father. Père, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I come unto you. Je viens au devant de toi. As your son, as your daughter, comme ton fils, ta fille. Receive me. Reçois-moi. I believe in my heart. Je crois dans mon cœur. I confess in my mouth. Je confesse dans la bouche. That Jesus died. Que Jésus était mort. For my sin. Il était mort pour mes péchés. He rose after 3 days. Après 3 jours. For my justification. Il est ressuscité pour thank ma you. Justification. Thank you. Merci. Jesus. Jésus. Be my Lord. Sois mon be my Savior. Sois mon Seigneur. Lead me. Guide-moi. Holy Spirit. Saint-Esprit. Lead my life. Guide ma vie. Guide me. Guide-moi. In the name of Jesus. Like this. Comme vous venez de prier. You are now born again a Christian. Vous êtes maintenant né de nouveau chrétien. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. This is a number we give to you, 0722 55 5077. 0725 5077. You can call us. Vous pouvez nous appeler. For the continuity of your Christianity. Pour la continuité de votre vie chrétienne. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for everyone. Merci pour tous celui. Who's always staying connected with us. Qui est toujours connecté avec nous. Amen. Amen. All our partners. Toutes les partenaires. Fulfill your partnership. Of month of May. Accompli votre partenariat, ça c'est le mois de mai. Amen. Amen. Fulfill your partnership, pay your seed, pay your tithe. Accomplissez vos partenariats. Pay your offering. La dîme, les offrandes. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We love you. Nous vous aimons. Stay blessed. Soyez connectés. Stay connected. Be connected. Pour être béni. On Thursday we have a service at 6 p.m. Le jeudi, on aura prière à partir de 18h. I'd like to thank everyone who fasted together with us during 3 days. Je voulais remercier tous ceux qui avaient jeûné avec nous. Thank you for your fasting, for your prayer time. Merci pour votre temps de prière et de jeûne. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We still continue to pray for this situation we see all over the world. Nous continuons toujours de prier pour cette situation partout dans le monde. We need the peace to restore again in the world. On a besoin que la paix soit restaurée dans ce monde. Pray for every country. Prions pour tous les pays. Pray for the leaders of the countries. Prie pour les leaders du pays. Pray for the body of Christ, all ministers of Jesus Christ. Pray for them. Prie pour les corps du Christ et tous les ministres de Dieu. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Thank you. Merci. May the Lord bless you. We love you. Que le Seigneur stay connected to be blessed. Soyez connectés pour être bénis. Thank you. Merci.